Les bénévoles de la SPA de Montpellier n'ont pas chômé cet été. En effet, le refuge a connu une recrudescence d'abandon d'animaux. Il accueille en plus 150 chiens et 300 chats. L'été a été particulièrement difficile par rapport à l'année dernière, donc les chiffres vous ont été donnés tout à l'heure, et qu'effectivement ce genre de nombre d'animaux qui nous sont arrivés nous ont vraiment fait beaucoup de travail et beaucoup de soucis. Les idées ne manquent pas pour faire face à ce fléau. Faire justement des campagnes d'adoption, journée porte ouverte, et avec l'aide évidemment de Rémi Gaillard, nous avons fait donc le buzz sur Internet. Et c'est vrai que là on a énormément de monde, on a eu énormément de monde en septembre et en octobre. L'humoriste montpelliérain a mis sa notoriété au service des animaux avec des sketchs qui attirent un public peu habitué à aller au refuge. Depuis que Rémi est donc côtoie la SPA, nous avons donc une audience médiatique que nous n'avions pas et nous touchons donc une certaine catégorie de personnes, en particulier les jeunes qui ne venaient pas à la SPA et qui viennent maintenant. Rémi, c'est de l'or pour la SPA de Montpellier. Les bénévoles et les animaux vous attendent de 14h à 17h30 pour peut-être trouver le compagnon de votre vie. Mais attention, réfléchissez bien avant d'adopter.